Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à ce rendez-vous. Vous le savez, on cherche la définition d'un mot. Je vous explique l'étymologie de ce mot. Alors, vous allez sourire parce que je suis sûr que vous connaissez ce mot par cœur, mais je me suis aperçu qu'il y a des tas de gens qui ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire. Lambda. Voilà, lambda. Alors bon, il n'y a même pas besoin d'hélico. Si mes souvenirs sont exacts, lambda, ça doit être un mot d'origine russe, à la base. C'est, bon, imaginons la scène, le gars arrive dans la pièce, c'est tout noir, il dit à sa femme, allume la lampe. Et sa femme répond, da. Et du coup, on a gardé lambda. C'est une lampe qui est allumée et il remercie. Hein? Ah bon? T'es sûr? Pourtant. Lambda. Ah ouais. Oh bah merde. Pourtant, il me... Mais alors, comment on fait alors? Si par exemple, un russe, il me demande d'allumer une lampe, je lui dis quoi? Yes? Oui? Si? C'est nul. Bon bah... Désolé. À bientôt. Oh, je suis déçu. Déçu.